Monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Vous ne m'avez pas vu? Vous voulez me tuer? Je suis désolé. Vous voulez me tuer? Hey! Vous voulez tuer mon fils et moi? Monsieur, vous êtes un diable. Je suis désolé. Dégage, désolé, désolé de mon œil. C'est le sacrifice. Je suis désolé. Ça n'a pas marché. Hey! Démon. Assassin. Qui veut briser mon portail, hein? C'est quoi ton problème? Désolé. C'est quoi ton problème? Tu sais depuis combien de temps j'attends dehors? Combien de temps, madame? Hein? Tu me demandes depuis combien de temps? Écoute, la prochaine fois que tu me poses une question aussi stupide, je vais te frapper sur la tête. Oui, c'est ça. Itsegini, que viens-tu de dire? Désolé, madame. Idiot. Acho nya nya achochare. Acho nya nya achochare. Acho nya nya achochare. Chocolat. Itsegini, mais. Désolé. Tu le chocolat. 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 Regarde comment tu prononces chocolat. Ne dis pas chocolat. Chocolat. Dis chocolat. 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 Anofia, après il dira qu'il est allé à l'école. Prochainement, ne m'ouvre pas le portail et tu verras. Employé de pacotille. Elle ne fait que me gifler. Hein? Un gardien 3 étoiles comme moi. Amaka! 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 Maman. Maman, bonjour. Bienvenue. Regarde-toi. Combien de fois vais-je t'appeler avant que tu ne répondes? Maman, désolée, je... Ah, s'il te plaît, tu quoi? Tu quoi? Tu es toujours genre j'en ai marre de toi. Mon ami, vas-tu aller à l'intérieur et me préparer le petit déjeuner? Hein? C'est quoi ce hein? Es-tu sourde? Ne m'as-tu pas entendu? Va me préparer le petit déjeuner. Maman, s'il te plaît, laisse-moi te faire le café. Je suis encore en train de ranger la cuisine. Et plus tard, je te ferai le petit déjeuner. Que veux-tu dire? Pars, tu ranges encore la cuisine à cette heure de la journée. Puis plus tard, tu me feras le petit déjeuner. Oh, cela signifie que mon fils n'a pas mangé avant d'aller au travail, n'est-ce pas? Maman, il a pris du café. Il a pris du café? C'est quoi le café? Elle me parle de café, c'est quoi le café? De l'eau colorée. Pas étonnant que mon fils perde son poids et il perd aussi son teint. Tu lui as donné du café. Nyakoya, regarde-toi. Tonneau vide, voilà ce que tu es. 5 ans de mariage et tu ne peux rien produire. Même pas un enfant. Même pas une fausse couche. Rien. Blala, blique. Et pourtant tu ne peux rien produire. Tu devrais avoir honte de toi-même. S'il te plaît, dégage de ma vue. Quand je vais bien me reposer, je vais aller dans cette cuisine et me faire quelque chose à manger. S'il te plaît. S'il te plaît de quoi? Tais-toi! S'il te plaît de quoi?
Au cas où tu ne le sais pas, tu es inutile. Tu es inutile. Maintenant, hors de ma vue. Mon ami, pardon, dégage tout de suite de ma vue. Nezianyu. Anoke, anonounye. Onouke, non, pos, non. Monsieur, j'en ai terminé avec la saisie. J'aimerais que vous y jetiez un coup d'œil avant que je ne l'envoie. Excusez-moi, monsieur. Monsieur. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Oui. Oh. Désolé. Eh bien... Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Parce que vous avez l'esprit ailleurs tous ces derniers temps. Donc je voulais juste savoir. Oh, vraiment? Eh bien, je ne savais pas. Je ne savais pas. Rien, je suis juste... je vais bien. Je vais bien. J'en ai terminé avec la saisie, donc j'aimerais que vous y jetiez un coup d'œil avant que je ne l'envoie. Oh. Ok, d'accord, je vois. Tu peux partir maintenant. D'accord. Tu es allée comme ça? Où crois-tu aller comme ça? Maman, quand est-ce que c'est devenu ton devoir de veiller sur mes mouvements? Je vais voir mes amis. Tu t'en vas voir quel ami? Tu t'en vas voir tes amis inutiles? Hein? Vous ne faites rien de productif. Tout ce que vous faites, c'est aller partout et faire du commérage, faire du shopping, faire vos ongles, faire vos coiffures. N'est-ce pas ce que vous faites? Regarde-toi, ton mari va bientôt rentrer du travail et il n'y a rien pour lui à manger. Mon ami, va à l'intérieur, rends-toi utile. Maman, maman, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi ne me laisses-tu pas avoir la paix dans mon foyer? As-tu prononcé le mot foyer? Toi, foyer, tu n'as aucun foyer. Tu te vois dans cette maison, dans ce foyer? Tu te tiens sur ton dernier orteil. Sais-tu ce que ça signifie pour tout ce corps? De balancer sur un orteil? C'est à ça que tu es tenu. Ah! Amaka. Amaka, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi ne veux-tu pas me donner des petits-enfants? Au moins un petit enfant. Est-ce trop te demander? Maman, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu qui donne des enfants. Quand le moment sera venu, je crois que Dieu donnera à moi et à mon mari des enfants. Quand tu auras atteint la ménopause? Oui. Non, réponds-moi. Oh, ok. Tu te vois comme Sarah et ton mari comme Abraham. Ma chérie, ce genre de choses n'arrive plus de nos jours. Comprends-tu ce que je dis? Hey, pour ton information, n'importe quelle femme qui ne donne pas naissance dans la maison de son mari n'a pas de foyer. N'a pas de foyer. Tu ne peux pas appeler cet endroit un foyer. Non, tu ne peux pas. Il est négocié. Pourquoi tu pleures? Les larmes de crocodile. Mon ami, va à l'intérieur. En fait, donne-moi les clés de la voiture. Donne-les-moi. Je te laisse avec le téléphone. Parce que je sais que ton mari voudra te joindre.
Va à l'intérieur. Va à l'intérieur et rends-toi utile. Va à l'intérieur. Regardez-la. Allez, disparais. Tu ferais mieux d'avancer avant que je ne te déchire ces vêtements. C'est déjà presque déchiré. Hein? Tu passes ton temps à exposer quelque chose que tu ne peux même pas utiliser. Je ne sais même pas pourquoi tu n'arrêtes pas de t'exposer. Es-tu la seule femme avec ce genre de forme? Hein? Après tout, les gens achètent ça maintenant. N'importe quoi. Et toi? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Autour moi, Nakobe. Tout ce que tu sais faire, c'est commérer. Vas-tu dégager de ma vue, mon ami? Mais franchement, mec, je n'arrive vraiment pas à te croire. Jusqu'à présent, les Lakij n'ont pas eu de réponse venant de nous. Allez, mec. C'est mauvais. C'est mauvais pour les affaires. Je sais que je n'ai pas été très actif, mais je promets que je ferai quelque chose. Écoute, je ne peux vraiment pas accepter ça, mais... Ces gens-là, tu sais à quel point ils détestent les excuses. Tu sais à quel point t'as supplié pour entrer dans tout ceci, et maintenant tu veux faire foirer les choses. Allez mec, comment vais-je les affronter s'il n'y a pas de livraison? Comment? Je promets que je vais arranger les choses aujourd'hui. Douben, tu sais à quel point je ne joue pas avec mes affaires et mon argent. J'ai travaillé dur pour garder la position que j'ai et la réputation dont je jouis maintenant. Tu ne peux pas le foirer pour moi. Allez, c'est bon, détends-toi, je vais tout arranger. Tu ferais mieux de le faire. Tu es mon meilleur ami, mais si tu fais en sorte que nous perdions cette affaire, je ne vais pas te le pardonner. C'est noté. Ok, je dois partir. Je suis vraiment en colère en ce moment. Incroyable. Dans ton propre foyer, ce n'est pas comme si ton mari et toi êtes restés jusqu'à 10 ou 12 ans. Ça ne fait que 5 ans. Je connais beaucoup de couples qui sont restés de 15 à 20 ans. Mais Dieu les a toujours bénis. Pourquoi cette femme ne veut pas te laisser tranquille? Pourquoi? Goldie, maman a rendu mon foyer un enfer sur terre. Elle a fait de ma maison tout un enfer pour moi. Il n'y a pas un seul jour qui passe sans que cette femme ne fasse un tas de problèmes. Et ton mari?
Il est juste calme. Mais elle est sa mère et lui, il est... C'est bon. Tu ne dois pas être dur avec toi-même. Laisse-moi te dire quelque chose. Il faut que tu prennes une seule chose à la fois. Dieu entendra ta prière et il te donnera un enfant. Avec la prière et tout le reste, il te bénira. Dieu va te bénir avec un enfant. S'il te plaît, ne pleure plus. Tu me brises le cœur. Tu étais ici quand je l'empêchais de sortir de ce portail. Je suis désolée, madame, je ne savais pas. Comment est-ce que tu vas connaître tout? Je ne sais pas. La ferme, tu ne sais pas. Tu m'as vu l'en empêcher, mais tu l'as quand même laissé partir. Je suis désolée, madame. Hein? Je suis désolée, pardonnez-moi. Mais tu sais quoi? Tes excuses arrivent trop tard. Oui, parce que je vais te fouetter et te donner une bonne leçon. La prochaine fois, tu ne seras de connivence avec personne. Comprends-tu ce que je dis? Je n'ai pas colonisé. Je n'ai pas dit coloniser, j'ai dit de connivence. Dis-le. Connivence. Hey! Dis de connivence. Connivence. Idiot, la prochaine fois, tu ne seras pas de connivence avec elle. Ah non, Kwama. Une fois que j'en aurai terminé avec toi, hein? Une fois que j'en aurai terminé avec toi, tu vas perdre ta couleur parce que tu n'as pas de couleur. Soit tu vas devenir noir ou tu deviens totalement blanc. Anofia, homme blanc sans nation. Maman, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est quoi ton problème? Pourquoi ne laisses-tu pas ma femme tranquille? Hein? Voici sa maison, pour l'amour de Dieu. Pourquoi rends-tu les choses difficiles pour elle? Kiwiwi Unatuku. Kiwiwi. Donc, elle t'a menti. Et tu es venu me défier. Moi, Bobé, tu es venu me défier. Il fallait mes mains. Qui est-elle? Regarde-la, incapable de te faire des enfants. Hein? Ni de me donner des petits-fils. Qu'elle parte. Maman, elle n'ira nulle part. Dieu nous donnera des enfants en son temps. Et quand sera ce temps? Non, réponds-moi, quand? Crois-tu que ça, c'est l'Ancien Testament? Non, c'est le Nouveau Testament. D'ailleurs, même si Dieu voulait lui donner des enfants, tu t'attends à ce qu'on attende qu'elle soit dans les 80 quelque chose à ce moment. Je serai 6 pieds sous terre, pendant que vous deux serez très vieux. Maman! Non, non, tu dois la laisser partir et ramener une femme productive. Maman, je ne suis pas ici pour échanger des mots avec vraiment? Toi. S'il te plaît. Anomayogi, Biko. Biko, laisse ma femme tranquille. Laisse-la avoir la paix du cœur dans sa propre maison. Oh. Je n'aime pas ça du tout. Je n'aime pas ça. Amba, s'il te plaît. Ce n'est pas parce que tu es ma mère que tu vas faire du n'importe quoi. Et c'est parce que tu es mon fils que tu te comportes mal. À qui est-ce que tu parles de la sorte? Maman, s'il te plaît. Arrête tout ce que tu es en train de faire là. Je ne cesserai jamais de laisse parler. Laisse-la tranquille, laisse-la en paix, s'il te plaît. Bébé, allons-y. Va-t'en, amène-la avec laisse-la toi. Laisse-la tranquille, va-t'en. Qu'est-ce que ça veut dire? Ferme la porte. À chaque fois, tu aimes les problèmes. N'importe quoi. Tu vois juste une femme comme ça. Avec toutes ses formes, elle ne peut rien produire. Et tu viens ici me défier. Si je ne t'avais pas eu, serais-tu ici en train de me raconter ces conneries? C'est quoi ce genre de femme au juste? Hein? C'est quel genre de femme qui ne veut pas laisser la femme de son fils en paix pour une seule seconde? Hein? C'est mon patron que je blâme. Je blâme cet homme. Cet homme n'a pas de cran. Si c'était moi, je devais l'envoyer au village de cul. C'est pour le village qu'elle est restée. Elle vient ici pour déranger les gens. Hein? Aïe! Je sais pourquoi le patron fait ça. Je sais pourquoi. C'est parce que c'est sa mère. C'est sa mère. Hein? C'est sa mère. Et c'est le fils unique. Si ce n'était pas ça, il aurait chassé cette femme depuis. Juste moi, je vais la chasser. Femme à problème. Et en plus, elle cause beaucoup d'ennui. Donnez-moi manger cette nuit. Je ne fais pas de tout ça. Qui est là? C'est moi, Doubem.
S'il te plaît, je dois te parler, c'est très important. Tu ne peux pas laisser les gens dormir. Mais maman... Chérie, s'il te plaît, va la voir, va la voir. Franchement, je n'irai nulle part. Chérie, vas-y. Qu'est-ce qu'elle veut me dire à cette heure? S'il te plaît, va juste la voir. Maman! Mais maman, parle. Tu n'as encore rien dit. Je dois aller dormir. Je sais que tu es venue. Parce qu'elle t'a demandé de venir me répondre, n'est-ce pas? Je suis ta mère, hormis du fait maman, que... Maman, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ne commence pas. Ne commence pas, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? J'ai eu une longue journée hier et j'aurai encore une longue journée aujourd'hui. Ne pouvons-nous pas parler de ça demain? Pourquoi est-ce que je ne peux pas dormir? Nous pouvons bien parler de ça demain, maman. Cher fils, jusqu'ici j'ai eu tout le temps des nuits blanches. Et aujourd'hui n'a pas été une exception. Ah, Jésus-Christ. Je ne peux pas dormir. Tu vois, le problème que ta femme a, on doit le régler. Doubem, tu es mon seul enfant. Et je t'aime. Hein? Il n'y a aucun moyen que je puisse te souhaiter ou te faire du mal. Mais il faut que tu comprennes qu'on a besoin des enfants dans cette maison. Maman, nous avons traversé ça 1 000 000 de fois. Nous parlons de ça à chaque fois. C'est quoi le problème? Même si on a traversé ça 1 000 000 de fois, 1 000 000 de fois ne fera de mal à personne. La vérité est toujours amère, mais elle doit être dite. Nous devons faire quelque chose. Comment Amaka peut-elle venir ici et être incapable de concevoir? Attends. Y a-t-il quelque chose que vous me cachez? Oui, parce que Amaka n'est pas une vierge. Probablement. Quelque chose ne va pas avec toi et tu ne me dis pas. Es-tu sûr que tu peux... Est-ce encore fonctionnel? Es-tu impuissant? Que Dieu m'en préserve. Moi, impuissant. Que Dieu m'en préserve. Mon fonctionne parfaitement bien. C'est encore très fort. Formidable, c'est ce que je pensais. Alors si ton fonctionne très bien, tu devrais l'essayer sur quelqu'un d'autre et voir si vraiment maman, ça fonctionne. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Si tu veux parler de maintenant jusqu'à... Je ne ferai jamais cela. Je ne tromperai jamais ma femme. Mais attends, qu'est-ce que tu racontes? Moi, tromper ma femme? Si tu dois le savoir, j'ai promis à ma femme devant l'hôtel que je resterai avec elle, peu importe la situation, avec ou sans enfant. J'ai promis de l'aimer jusqu'à la fin. Et je ne vais jamais mettre ça en péril pour aucune raison. Oh, vraiment? Je ne te dis pas de tromper ta femme. Et alors, qu'est-ce que tu racontes? Tout ce que je dis, c'est pratique ton sur une autre femme pour être sûr que c'est fonctionnel. Est-ce que c'est trop demandé? Je vais chercher la fille, belle et plus formée que ta femme. Ah, vraiment? Très sexy. Ok. Belle. Je ferai juste cela. Quand? Puis-je aller dormir maintenant? Quand? Ha 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 ha
Hé, hey, chérie. Pourquoi est-ce que tu pleures? Mais attends, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu pleures? Qu'est-ce qui ne va pas, bébé? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu pleures? Laisse-moi tranquille. Tu as entendu tout ce que ta mère a dit? Est-ce que tu peux me blesser? Est-ce que tu peux me blesser? Calme-toi, chérie. Ne fais pas ça. Peu importe ce qui m'arrive, je suis là. Je ne peux pas te laisser. Je ne peux pas te laisser partir, bébé. Arrête. Calme-toi. CJ. Grande sœur. CJ. Grande sœur. Tu veux me tuer parce que je suis ta sœur? Hein? L'argent que je t'ai donné, qu'est-ce que tu en as fait? Oh, 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 tu crois que je cueille l'argent sur les arbres? Mais grande sœur, écoute. Oh, ne m'appelle pas. CJ, je t'ai donné 30 000 naira il y a 2 jours. Dis-moi, qu'as-tu fait de cet argent? Mais grande sœur, je suis un étudiant. Et ma filière coûte beaucoup d'argent. Hein? Il y a les devoirs. La pratique, il faut de l'argent pour tout. Et je veux dire, si je dois avoir de bonnes notes, il me faut de l'argent. Est-ce que tu vas fermer cette bouche? Comme si tu cherchais cet argent avec moi. Avant que je ne perde mon humeur, dégage de ma vue. C'est que de la débrouillardise. Hein. C'est juste de la débrouillardise, tout le monde peut le faire. Tu ne fais que ça, me gronder n'importe comment. Où est-ce que tu vas? Où vas-tu? Pouvez-vous imaginer ce gars? Il vient ici tout le temps pour prendre de l'argent. Et je suis sûre qu'il le donne à ses petites amies inutiles. Ah ah! C'est quoi tout ça? Ne t'en fais pas, c'est moi qui te gâte, c'est de ma faute. Excusez-moi, monsieur. Monsieur? Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Oh, Amanda. Oui, monsieur. Oh, je me suis endormie. Vous avez un rendez-vous avec le groupe Stanel. Oh, c'est vrai, c'est aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Mince! Waouh, il est 15 heures passées! Oh, mince! Ok, très bien, merci. D'accord, monsieur. Oh! Amanda? Monsieur? Merci beaucoup, d'accord? Je vous en prie, monsieur. Thank you.
fais-tu avec cette chaussure? J'essaye la chaussure. Pourquoi tu aimes les problèmes? Tu ne vois pas que cette chaussure est à vendre? Allô? Allô, ami? Est-ce que tu peux te calmer et parler? Ok. Mais s'il te plaît, ne pleure pas. Ok, est-ce que tu peux passer pour qu'on en parle? Ok, je comprends si tu ne peux pas venir. Je vais venir chez toi. Ok, mais s'il te plaît, détends-toi. Ne pleure pas trop. Pleurer ne va rien résoudre. Ok. Ok, bye. Grande sœur? Hmm? Tout va bien? C'est mon amie Amaka. Elle ne va pas bien. Elle pleurait même au téléphone. D'accord. Grande sœur? Hmm? J'ai faim. Toi, tu as toujours faim. Allez, garde-moi cette chaussure. Viens prendre de l'argent et mange quelque chose. Grande sœur, tu sais être, tout le temps, provocatrice à tort et à travers. Oh, bonjour, monsieur Ken. Ouais, bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Désolée, mais mon patron n'est pas là. Oh, ouais, Je l'ai appelé, mais il ne décrochait pas le téléphone. T'as-t-il dit où il allait? Oui, il est allé à un rendez-vous avec le groupe Stanel. J'imagine qu'il est en réunion, c'est pour ça qu'il n'a pas décroché. Ah, ok. C'est probable qu'il m'appelle quand il aura terminé. Oui. D'accord, tu passes une bonne journée. Excusez-moi, monsieur Ken, une minute s'il vous plaît. Ne soyez pas offensé. Je sais que ce ne sont pas mes affaires, mais je suis juste inquiète. Mon patron n'a pas été lui-même ces derniers temps. Il se sent tellement réticent pour travailler. Pouvez-vous imaginer que cet après-midi, j'ai dû lui rappeler son rendez-vous avec le groupe Stanel? Honnêtement, tout ceci affecte notre travail. Alors, je ne sais pas si vous pouvez lui parler et savoir pourquoi en tant que son ami. T'as raison, Amanda. J'ai également remarqué cela récemment. Tu sais, mon agenda chargé ne me permet pas de faire de telles choses. Ok. Je vais lui parler. Merci beaucoup. Pas de quoi. Passez une bonne journée. À toi aussi. Bye. Bien, à plus. Douben, c'est vraiment terrible, tu sais. Je sais exactement comment tu te sens. Ma mère m'a donné à ma femme et moi un certain saucé, mais pas jusqu'au point où ta mère est en train d'aller. Ceci vous séparera. Petit à petit, tu dois vraiment faire quelque chose, mon frère. Vraiment? Mais le truc est que j'ai tout fait, presque tout fait. J'ai crié sur elle. Je l'ai suppliée. J'ai essayé de la mettre en confiance. Et pourtant, ma mère continue de faire ce qu'elle fait. J'ai pratiquement tout fait pour me rassurer qu'elle donne à ma femme et moi la paix d'esprit. Mais elle devient pire à chaque fois. Presque à chaque fois. Qu'est-ce que je vais faire? Mec, t'es tellement jeune pour mourir d'une hypertension. Je sais à quel point t'as travaillé dur pour être là où tu es. Tu ne peux pas laisser une crise familiale. Oh, autre chose venir foirer ce que t'as construit. Tu vois, je ne peux pas laisser ça arriver. C'est fou, je ne sais pas quoi faire. Genre, je suis confus. Je ne suis pas censé combattre ma mère. Alors, renvoie-la au village. Est-ce difficile de le faire? Renvoie-la au village où tu pourras chercher un appartement ici en ville. Si je ne peux pas rester loin d'elle. Non, ce n'est pas la bonne option, je veux dire. Je ne peux pas juste renvoyer ma mère au village. Ce n'est pas possible. Je veux dire, après tout ce qu'on a traversé ensemble pour être là où je suis, à ce point, je ne peux pas juste la renvoyer au village. Regarde, tu dois être prêt à affronter tes peurs.
Fais-lui comprendre que t'es un homme. C'est exactement ce que je suis en train de faire. J'ai essayé de faire en sorte que ma mère voit que les enfants viennent de Dieu. Exactement. Là, c'est ta mère et là, c'est ta femme. Alors, mets une balance. Allez, tu es un homme. Joue le rôle de l'homme dans ta maison. Peut-être que j'ai joué le rôle de la femme, n'est-ce pas? Allez, allez, allez. Ta mère ne peut pas contrôler ta maison. Surtout, ne laisse pas que cela arrive. J'espère que tu as entendu tout ce que je t'ai dit. Regarde. Tu n'es pas obligé de la combattre. Mais parfois, il faudrait que tu agisses. Laisse-moi te dire quelque chose. C'est la maison de ton mari et c'est ton foyer. Avec ton faible comportement, cette femme va faire pire. Crois-moi. Mais maman, qu'est-ce qu'il y a? Que la foudre foudroie cette bouche que tu as utilisée pour m'appeler maman. Oh, elle t'a appelée. Elle t'a invitée comme ça, vous deux, vous pourrez vous asseoir et mal parler de moi, n'est-ce pas? Tu es chanceuse que je t'ai versé de l'eau froide. La prochaine fois, ce que je vais te faire, hein? Tu ne survivras pas pour raconter l'histoire. Maman. Maman quoi? Maman, c'est quoi tout ça? La ferme. Pourquoi est-ce que tu nous verses de l'eau? Oh! Ça t'a touché? J'aurais dû verser ça sur ta tête. Stupide. Maman. Oui? Laisse-moi te dire quelque chose. Je laisse ça passer à cause du respect que j'ai pour ton fils et pour mon ami ici présent. Oh. Sinon, je vais oublier que tu es assez vieille pour être ma mère et je vais m'occuper de toi sans pitié. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Assez vieille pour être quoi? Ta mère n'est-elle pas plus vieille que moi? Regarde-toi. Tu devrais aller te marier. Va te marier. Là, tu t'occuperas de ta maison. Hé, hey, où est Kwanka? Agodje Kwanka. Prostituée bon marché. Regarde. Hé, hey, je vais te gifler. Regarde-toi. Tu viens ici pour conseiller. Conseillère. Qu'est-ce que tu sais? Va te marier et arrête de te pavaner comme un enfant. C'est pourquoi tu portes ces perruques colorées. Ça te fait te sentir comme une petite fille. Regarde, la prochaine fois que tu vas essayer cette bêtise, de l'eau chaude sur ton visage. Ta bouche sera scellée avec du sel. Tu ne seras plus capable de parler à nouveau. Dégage d'ici, mon ami. C'est bon. Je m'en vais. Ne t'en fais pas, Maka. Ne t'en fais pas. Sonia Naba. Je suis désolée. Ne t'inquiète pas. Je suis vraiment désolée. C'est bon. Désolée-moi. Ne t'en fais pas pour ça. Je suis désolée. Je vais regarder s'il y a encore de l'eau. Prends soin de toi. Goldie, je suis vraiment désolée. Léa Kongwe. Goldie, là on parle de l'or. Tu me regardes? Est-ce que tu me regardes? Ngwa, allez-le. Va à l'intérieur, tout de suite. Tu es encore placé là? Veux-tu que je te pousse? Laisse-moi finir. Wekaku, laisse-moi finir cette eau sur toi. Des anges qui ne peuvent rien faire. Non, cela n'arrivera jamais. Ne dis même pas ça, bébé. Est-ce que tu manques de quelque chose? Non, dis-moi, est-ce que tu manques de quelque chose? Je gagne assez d'argent pour nous occuper de nous, et même de nos enfants à naître. Pourquoi est-ce que tu te stresses? Est-ce que je me plains? Je ne me suis pas plaint. Bébé, il ne s'agit pas de l'argent. Je veux rester loin de maman. Je ne veux pas rester près d'elle tout le temps, s'il te plaît. Je t'en supplie. La dernière fois que j'ai fait ça, est-ce que tu as oublié ce qui s'est passé? Ces fous qui prétendent être tes patrons voulaient sortir avec toi. Oublions le fait que tu es une femme mariée. Je ne le permettrai pas, je ne laisserai pas cela arriver. Tu ne vas pas travailler, bébé. Ne me le dis même pas, tu... Ne dis pas ça. Tu ne vas pas travailler. Chérie, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Eh bien, je suis aussi fatiguée de te raconter la même chose encore et encore, maman.
Ne t'en fais pas pour maman. Très bientôt, elle va partir. Je suis ici. Je suis ici pour toi chaque fois. Je n'irai nulle part. Je veux que tu restes à la maison pour moi. Pendant que je vais là dehors et travaille pour nous. Est-ce trop te demander? Hey! Hey! Viens. Hey! Goldie, tu es sûre de ça? Si je n'étais pas sûre, je n'allais pas te dire. Je connais beaucoup de gens qui sont rentrés avec des témoignages après avoir vu ce prophète. En fait, il est testé et approuvé. Tu ne peux pas juste rester là dans ton coin sans chercher la solution à tes problèmes. Je sais. Je ne sais pas comment je me sens à propos de ça. Hein? Tu connais mon mari. Il ne se sent pas très à l'aise avec ses pasteurs, ses prophètes. Tu sais ce que je veux dire. Tu me comprends. Ce n'est pas quelque chose qui a à voir avec nos services d'une dimanche et nos prêtres ne comptent pas sur lui. Je ne sais pas comment il va se sentir à propos de ceci. Écoute, Amaka, tu es mon amie. En fait, tu es comme une sœur pour moi. Tu devrais... Attends, laisse-moi d'abord te dire ça. Tu es la femme dans cette situation. Et tu dois aller plus loin pour chercher des solutions à tes problèmes. Et quand tu feras cela et rentreras avec de bonnes nouvelles, ta belle-mère arrêtera de se battre avec toi. Ah, j'ai hâte. Elle est mon problème. Elle est mon plus gros problème. Je sais. Cette femme n'est pas encore entrée. Hein? Le bon garçon! Madame! Le bon garçon! Madame? Ah ah! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Quand je t'appelle le bon garçon, tu ne réponds pas. Mais quand je vais t'appeler le mauvais garçon, tu vas répondre. Le mauvais garçon! Le mauvais garçon! Oh bolo! De toutes les façons, cette femme appelée Amaka est sortie depuis le matin. T'a-t-elle dit où elle allait? Non, madame. Non. Est-ce qu'Amaka t'a dit où elle allait? Non, madame. Je suis censée te faire confiance, n'est-ce pas? Oui, oui, madame. D'accord. Amaka. Amaka, va et reviens, je t'attends. Quand j'en aurai terminé avec toi dans cette concession, ils vont changer ton nom d'Amaka à... C'est quoi l'opposé d'Amaka? Opposé? C'est quoi l'opposé d'Amaka? Adjoka. Merci. C'est comme ça que je l'appellerai désormais. Il y fait un écho. Ok. Alors, nous allons tous l'appeler comment? Adjoms. D'Adjoka, ça sonne mieux. Que fais-tu encore ici? Je vous regarde. Mon ami, dégage de ma vue. Votre vue? Ok. Je dis, retourne à ton... Désolé, madame. Tu n'es qu'un idiot. Alors, tout le monde doit mettre les mains dans la pâte. D'accord, monsieur. Les clients du Togo arrivent aujourd'hui. Donc, nous devons faire tout notre possible pour les mettre à l'aise. Ok. Okay. Donc, tu vas commencer avec le traitement des dossiers et assure-toi de tout avoir. Je ne veux pas d'histoire, ok? D'accord, alors, monsieur. Alors, si tu dois savoir... Allô? Ouais, Jason. Quoi? Nous avons perdu? Oh. Ok, Jason, est-ce que tu peux leur dire de nous donner un peu plus de temps? Je promets que je vais faire quelque chose. Je sais, c'est de ma faute, mais s'il te plaît... C'est ce que je dis, Jason. S'il te plaît, plus de temps.
Ouais, Jason. Allô, Jay. Oh, merde! Je suis désolée, monsieur. Peut-être que je devrais... Je vais revenir plus tard. Amen. 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 Tu dois être exaucé. Amen. Il n'y aura jamais de femme stérile parmi nous. Amen. 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 Alors je dis bien, tu ne seras pas du tout stérile. Kondoribo sharabo egala lesan de serobare seribo. Ezenteribo zintere. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois être exaucé. Amen. 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 Seribo. Amen. Amen. Ezenabo gireba. Prophète. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Femme, tu es ici pour le résultat, n'est-ce pas? Pour que tu puisses obtenir le résultat, tu dois être préparé, ok? Le Saint-Esprit dit que tu retires tes vêtements. Il veut commencer son travail. Enlève tes vêtements. Allez, enlève. Enlève tes vêtements, ils veulent commencer leur travail. Enlever quoi? Regardez-moi cette femme. Non, mais tu penses que nous sommes ici pour plaisanter? Je dis, enlève tes vêtements. Ils veulent commencer leur travail. Ah, cette femme. Qu'est-ce qu'elle a à la fin? Enlève tes vêtements et laisse-moi travailler en toi. Aussi simple que ça. Hein? Comme ça, tu m'as appelé aujourd'hui. Mais c'est vrai. Parce que tu m'appelles difficilement, oui. Ah, Doubem. Doubem et sa femme, Amaka. Nous allons tous bien. Nous nous portons très bien, oui. Hein? Ikenna. Sa femme a accouché? Hey! Tchoukou, Okidi. Es-tu sérieux? Ikenna qui venait de se marier il y a juste quelques mois? Mon Dieu! Ikenna est un tireur. Ma boabo. Et pour sa femme, c'est elle la gardienne de but. Oh, moya, oh, ya. Hey! Je suis tellement contente pour toi. Oh, tu as le quoi? Tu te prépares toujours pour le voir, bébé? Hey! Oh, dingom, boulio. Oui, écoute, n'oublie pas tout ce que tu dois amener avec toi, oh. Dis, Ige, dine, sine, milioko. Ogeli, obé, ogeli, si. Hein? Ora? Eni, watago? Commence le voir, bébé, avant quoi que ce soit. Tout ce dont tu as besoin, l'huile de palme, gebani, tu vas avec. Tu dois partir. Mbasuma, je vais t'appeler plus tard. Hey, ma chère, amuse-toi. Oh. Regarde comment elle est heureuse. Ok, bye. Hi. Mama Ikenna est une femme très chanceuse. Comparée à la femme de Doubem, qui s'est mariée, je ne sais plus depuis combien d'années. Doubem n'est-il pas un bon tireur? Ou sa femme n'est-elle pas une bonne gardienne de but? Lequel c'est? Hey! Alors, mais quoi? Non, Doubem est un bon tireur. Je suis sûre que sa femme est faite de pierre. Elle est faite de pierre. De cailloux. Hey! Amaka Reren qui m'aime. Inutile. Ina Nkuyali. Si tu ne peux pas rendre visite à ton ami, tu vas au supermarché faire le lèche-vitrine. Où tu vas dans toutes ces grandes boutiques acheter n'importe quoi. Hein? Onlolo nafia. Igor nanu. Go odouanu. Igo nkwanu. Tu achètes toujours une chose ou l'autre pour mettre dans la bouche. Weli awena zupugi. Ona expand. So bois de dos. Dje, obwenaka, on verra. Anonfia. La petite chose qui me donnera la joie. Cette petite chose qui me donnera la joie. Tu es incapable de me donner et tu es là à monter et descendre. Hey! Ouais, quoi de neuf, mec? Je vais bien. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai parlé à Jason quand je venais ici. Et il se plaignait. Et il est vraiment en colère contre toi. T'as foiré, frérot. Je le sais, frérot. Ce n'était pas intentionnel. Tu vois, j'ai oublié de leur envoyer des emails et... ça m'a vraiment échappé. Je sais que j'étais censé faire cela. Allez, mec. C'était vraiment pas bien. Il se plaignait sur le fait que ces gens ne lui donneront plus jamais à marcher. C'est vraiment pas bien.
J'aurais bien aimé faire quelque chose, franchement. Regarde. Ce que t'as à faire maintenant, c'est d'arranger les choses avec ton frère. Essaie de le voir et règle ça plus vite. Allez, mec. Allez, tu foires tout et tu traînes le pas. Je sais, bien sûr. Je vais faire quelque chose. De toute façon, je suis là pour mes documents et j'espère que c'est prêt. Oui, c'est prêt. Je vais prendre mon déjeuner. Est-ce que ça te dirait de me rejoindre? Ok, au même endroit. Ben oui, même endroit. Pourrais-je avoir les documents, s'il te plaît? J'ai les documents ici. Je vais les voir. Oh, mais détends-toi. Je les ai, allons-y. Voir un ami. Asiocha, tu mens. De quel ami parlons-nous ici? Cette stupide amie qui a refusé de se marier? Elle croit qu'elle est un bébé, n'est-ce pas? C'est avec elle que tu te pavanes partout. Elle t'apprend comment le faire. Est-ce que cette maison ressemble à un endroit où tu peux faire la prostitution? Maman. Maman. S'il te plaît. S'il te plaît. Laisse-moi aller à l'intérieur. Je t'en supplie. Ne m'appelle plus. Quand je te parle, tu restes là et tu m'écoutes. Écoute. Place-toi quand je te parle. Je dis... Reviens ici. Quand je te parle, reste là. Oh! Pour ton information, tu dois retourner d'où tu viens. Retourne d'où tu viens. Tu crois que je blague? Retourne d'où tu viens. Est-ce que tu m'écoutes? Mais laisse-moi te dire, la maison de mon fils n'est pas un camp pour prostituer. Oui, alors arrête ce que tu es en train de faire. Tout ce que tu fais, c'est aller partout. Balancer les hanches. Oui! Cette bêtise, tout ce que tu fais avec, c'est balancer ça de gauche à droite. Reste là quand je te parle. Tu ne me tournes pas le dos. Oh, bien sûr. Voici ce que tu as utilisé pour tromper mon fils. Il a vu ton derrière et est devenu intéressé. Maintenant, regarde ce qui arrive. Oh, il n'a jamais réalisé que cette chose que tu as est un tonneau vide. C'est ce que c'est. Il n'y a rien à l'intérieur. Maintenant, pour la dernière fois, repars d'où tu viens. Tu me regardes? Retourne de là où tu viens. Tu me regardes? Retourne de là où tu viens. Que crois-tu pouvoir faire? Quoi?
Allô, bébé. J'arrive, je suis en route. Sois juste patiente, j'arrive, hein? Ne lui parle pas, sois juste calme, j'arrive. Mais c'est quoi tous ces problèmes, hein? C'est quoi tous ces problèmes? Hein? Pourquoi maman ne peut pas me laisser avoir la paix dans ma propre maison? Hein? Est-ce que c'est difficile? Bébé, j'ai dit que je suis en route, j'arrive. J'arrive, j'arrive, bébé, sois patiente, j'arrive. Je suis en chemin, j'arrive. Je suis en train de conduire. Mon amour. Mon amour. Dégage, tu vas bien? Dégage. Mon fils, tu vas bien? Mon amour. Mon amour, tu Écoute, vas bien? Si quelque chose arrive à mon fils, si quelque chose arrive à mon fils, tu n'aimerais pas ce que je vais te faire. Maman, c'est mon mari. Moi aussi, je suis inquiète. Inquiète? As-tu dit inquiète? Tu savais qu'il était en route pour le travail, mais tu l'as quand même appelé. Chérie, arrête chérie, de le toucher tu vas bien? Ça, tu le fais mal. Dégage. Salut, Monsieur Ken. Amanda, comment tu vas? Je vais bien, bonsoir. Bonsoir. J'imagine que tu vas à l'hôpital. À l'hôpital? Non, je rentre à la maison. Maison, ton patron a eu un accident de circulation. Oh mon Dieu! Ouais, sa femme vient de m'appeler, c'est là-bas que je me rends. Je ne le savais pas, s'il vous plaît. Entre, entre et allons-y. Je ne le savais pas, il est parti presser cet après-midi et... Je l'ai même appelé, mais son numéro ne passait pas. Oh, ouais, c'est ce qui s'est passé. Oui, mon fils. Qu'est-ce qui s'est passé? N'est-ce pas de sa faute? C'est Amaka. Amaka veut tuer mon fils. Maman Naina Lei. Maman, s'il te plaît, maman, s'il te plaît. Mm-hmm. Tobin n'a pas besoin de prier en ce moment. Vraiment? Tout ira bien. Les docteurs prennent déjà soin de lui, alors s'il te plaît. S'il te plaît, dis-lui. La ferme. Dire à qui? Hein? C'est le moment de prier, alors commence à prier. Maman, c'est bon. Arrête de me dire c'est bon. Je t'ai entendu, je t'ai entendu. Regarde. Arrête de caresser ses mains. Permets à la perfusion de passer. Arrête de caresser ses mains. Maman. Papa. Permets à la perfusion de passer. Ne caresse plus ses mains. Honnêtement, Monsieur Ken, peu importe ce qui arrive, elle reste sa belle-fille et ne mérite certainement pas un tel traitement, pas du tout. Tu sais, j'ai constamment dit à ton patron de renvoyer cette femme à la maison, la renvoyer au village, mais il a refusé. Ok, trouve-lui un appartement dans cette même ville. Non, il a refusé de faire quoi que ce soit et maintenant, regarde là où nous sommes. Regarde juste dans quoi il s'est mis. Je peux imaginer. Ah, j'ai pitié de cette pauvre femme. Vous ne l'avez pas vue? Elle a l'air tellement pâle. T'en fais pas pour ça. Tout le monde a sa croix à porter. Et c'est la sienne. J'ai juste peur pour lui.
Bonjour, maman. Oh. Maman, comment tu vas? Tous les deux. Vous pouvez jouer, hein? Et vous croyez que vous avez encore 2 ans, n'est-ce pas? Chaque fois que je vous vois tous les deux, vous êtes collés ensemble. Et est-ce que nous sommes censés être séparés? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Mais laisse-moi profiter de ma femme. C'est notre lune de miel, pour l'amour de Dieu. Mon fils, s'il te plaît, profite-en. C'est ton moment de profiter. Hein? Tu es venu nous distraire dans la cuisine pendant que nous étions en train de jouer. Tu es venu dans notre chambre. Maintenant, tu es ici. S'il te plaît, laisse-nous engainer. Non, vous pouvez jouer dans votre chambre. Je ne vais pas vous déranger. Mais quand vous jouez dans des endroits où je dois vous voir faire des... Ah, ce n'est pas ça. Hey, après, tu vas commencer à dire que je suis jalouse. Oui, tu es jalouse. Tu es jalouse, maman. Tu sais quoi? Je vais te chercher un petit ami responsable. Jamais de la vie. Quel petit ami? De quoi? S'il te plaît, je ne veux pas ce genre de bêtises. Je ne veux personne. Attends, tu vas trouver un petit ami à maman. S'il te plaît, je ne suis intéressée par aucun petit ami. Je suis juste venue te montrer mon téléphone. Je ne sais plus ce que j'ai appuyé et je ne peux plus entendre la sonnerie. Je suis sûre que j'ai reçu beaucoup d'appels que j'ai manqués. Aide-moi à l'arranger et je vais vous laisser en paix. Bébé, tu as acheté du gros lot. Je t'ai dit, achetons du bon marché à maman. Ce à quoi elle est habituée. Mais tu as dit Android. Maman. N'importe quoi. Maman. T'occupe pas de lui, je serai toujours là pour t'aider. Achetons du bon marché. Maman, tu as dit Android. Maintenant, regarde. Tu vois maintenant? L'autre fois, elle a pris des photos et maintenant, pour voir ses propres photos, elle n'a pas pu. Regarde-toi. Tu es jaloux. Est-ce que tu as vu les selfies et les photos que je prends? Hein? Tu prends des photos, mais tu ne sais pas comment les offrir. Donc, c'est à moi de sonnerie maintenant. Merci, ma chérie. Toutes ces photos et selfies que je prends, tu es jaloux de, n'est-ce pas? Maman, tu n'as pas pu le faire. L'autre fois, tu étais incapable d'ouvrir les photos. J'ai appris à le faire. S'il vous plaît, continuez avec vous. J'espère que ça va vous mener où je pense. Tu connais. Avec les anges, là. Elle a l'air fructueuse et productive. Pourtant, elle n'a pas été capable de me donner un enfant. Un enfant. Juste un enfant. Si j'avais un enfant, je serais heureuse. Hey. Tout ce que je demande, c'est... Juste un. Mon mari. Mon père, je t'en supplie, accorde-lui la guérison, Seigneur. Accorde-lui la guérison. Accorde-lui la guérison rapide, oh Dieu, je t'en supplie. Mon Dieu, je t'en supplie, guéris mon mari, je t'en prie. Mon Père, je t'en supplie, donne-nous des enfants. Juste des enfants, oh mon Dieu. Donne-nous des enfants, je veux la paix dans mon foyer. Je veux la paix dans mon foyer, je t'en prie. Mon Père, je t'en supplie, aide-moi. Guéris mon mari. Je veux la paix, je t'en prie, Seigneur. Je veux la paix, Seigneur. Bon garçon. Madame? Viens m'ouvrir le portail, s'il te plaît. Bonjour, madame. Fais la guerre, mais c'est maintenant que tu te réveilles. Ouvre-moi le portail. Madame, ne soyez pas en colère. Comment va le patron? Monsieur se porte mieux.
Voilà. Tu sais que tu es seule dans la maison maintenant. Je sais. Je ne veux pas que tu emmènes ces petites filles qui vendent des arachides et des fruits partout en route là. Si je t'attrape avec elles ici, tu sais ce que je te ferai. Non, madame, je suis marié, vous le savez. Vous savez que je suis marié et je suis fidèle à ma femme. Et ma femme l'est aussi. Je vous assure. Ce n'est pas tout le monde qui te voit comme fidèle. Ogakwayu Force, quand j'en aurai terminé avec toi, si je vois ces petites filles ici, tu me connais, non? Makassiene, essaye une bêtise et je te ferai la peau. Ce genre de truc ne peut pas arriver. S'il te plaît, ouvre-moi. Madame, ne vous fâchez pas. Est-ce que je peux vous suivre pour aller voir le patron? Il me manque. Oh. Qui te manque? S'il vous plaît. Pardon. Il te manque. Il te manque en tant que qui? En tant que ta femme? Ou il est ta petite amie? Non, madame. Il te manque juste. Il ne te manque pas. Ce qui te manque, c'est le petit argent qu'il te donne tout le temps. Ouais, Ficho. Mon ami, reste et occupe-toi de la maison. Tu es seul dans cette concession. Prends soin de la concession. S'il te plaît, ouvre le portail pour que je parte. Que je vous suive. Nous pouvons fermer la porte de la maison. Nous allons la fermer parce que ce n'est pas ta maison. Ouvre-moi le portail pour que je parte. Les petites filles sont interdites ici. Oui, madame. Les petites filles sont interdites. Des petites filles partout sont interdites. Hé, hey, mec. Merci, maman. Salut, bienvenue. Bonjour, comment tu vas? Ça va. Comment tu te sens, frérot? Eh bien, je me porte mieux. Le docteur a dit que je pourrais partir demain. Oh, c'est super. J'ai aussi de bonnes nouvelles pour toi. Mmh. Ouais, mon pote. Le marché avec les Alakedis s'est relancé. Waouh, enfin. Mes félicitations. Waouh, merci, frère. Ouais, et ils vont payer demain. On commence le travail, là, la semaine prochaine. Pas de temps. T'en fais pas. Je me chargerai de tout jusqu'à ce que tu te portes mieux. Waouh, merci mon frère. Ouais. Tu es vraiment un frère. Ouais, mec. Merci beaucoup, Kane. Ah. Que Dieu te bénisse, mon fils. Amen. Et tu dois vraiment remercier ta secrétaire, Amanda. Elle était vraiment d'une grande aide. C'est-à-dire qu'elle a pris de là où tu t'es arrêté et elle a livré. C'est vraiment impressionnant, je veux dire. Je suis vraiment fier d'elle. Elle s'est vraiment habituée à l'éthique de l'entreprise. Bien sûr. Tu sais, en fait, ça c'est le genre de productivité dont on a besoin dans un bureau. Et aussi, dans un foyer. Ouais, ouais, on se voit plus tard. À plus, mec, ouais. Vous m'avez appelé, monsieur? Oh oui, Amanda, tu peux t'asseoir. D'accord. Alors, je serai très rapide, comme ça tu pourras retourner au travail, d'accord? D'accord, monsieur. Alors, aujourd'hui, ceci est pour toi. Je veux t'apprécier d'avoir été appliquée dans ton travail et d'avoir été constante, ok? Je veux que tu saches que l'entreprise est très fière de toi et tu devrais continuer avec le bon travail. Oh, merci beaucoup, monsieur. Pas de quoi, je ne m'attendais pas à ça. Deuxièmement, je veux que tu saches qu'il y aura une augmentation de ton salaire. Oh, merci infiniment, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Qu'il te bénisse aussi. Nous t'apprécions pour le bon travail, d'accord? Continue. Merci beaucoup. Très bien. D'accord. Maman, s'il te plaît, je t'en prie, remets-moi mon téléphone.
S'il te plaît, pourquoi l'as-tu pris? Maman, s'il te plaît, je n'aime pas ça, rends-le-moi. Est-ce que tu me cries dessus? Est-ce que tu me cries dessus? Ok, tu veux récupérer ton téléphone. Comme ça, tu pourras appeler mon fils. Le rendre confus. Comme ça, il sera impliqué dans un autre accident. N'est-ce pas? Comme ça, tu pourras récupérer ses biens. Aburiya. Bea Blue Flo. Maman, pourquoi tu me fais ça? Faire quoi? Si j'étais ta propre fille et qu'une autre femme me traitait de la sorte, qu'aurais-tu fait? Dis-le-moi. Malheureusement, tu n'es pas ma fille. Alors je te traiterai comme bon me semble. Donne des enfants à mon fils. Donne-moi des petits-enfants. Sinon, tu vas faire tes affaires et t'en aller. Laisse-moi faire venir une autre femme qui sera productive. Remballe et dégage. Trois mots. Une phrase. Remballe et dégage. Wakolonada en langage Igbo. Orisisebe Aliamili. Les larmes de crocodile. Elles ne me touchent pas. Je te promets que ces larmes ne me font rien. Pleurer ne va rien changer. Je sais ce que tu es en train de faire. Tu ne peux pas me tromper. Tu ne peux que tromper Doubem avec ses larmes, pas moi. Remballe et dégage. Excuse-moi. Mon Dieu. L'enfer est dans la maison de mon mari. Seigneur, je t'en supplie, fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose, Seigneur. Fais quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Frérot, tu sais que t'es en égalité maintenant. Cela te fera remonter. Merci, frérot. Tu es réellement un bon ami. Allez, n'exagère pas. Tu sais que t'as fait plus. Je me souviens à l'époque comment tu m'as aidé avec mes devoirs, mes projets. Et même quand je devais aller au boulot, t'as toujours été là, genre, t'as toujours été dans mon cœur. Le bon vieux temps, frérot. Je remercie Dieu que nous sommes finalement ici, au moins et avec succès. Ouais. C'est ce qui compte, n'est-ce pas? Je te fais pas dire. Avec succès. Ouais, c'est cool. Alors, concernant Amanda, je lui ai fait une augmentation de salaire. Oh. Et aussi, un cadeau. Tu sais, un petit cadeau pour la motiver. C'est super, frérot. C'est attentif, n'est-ce pas? Ouais, tu sais, elle sera vraiment heureuse. En fait, ouais, comme elle le mérite vraiment. Tu sais, motiver ses employés est une marche très importante dans la croissance et la réputation d'une affaire. C'est vrai, à 100%. C'est sympa, frérot. Alors, est-ce qu'on va encore se voir très tard dans la soirée? Ouais, bien sûr. Je veux dire, plus tard dans la journée. On pourra se rattraper de comme beaucoup tu le de dis, choses. Hein. Ok. Merci, je vais te m'en aller. J'apprécie vraiment, merci beaucoup. Porte-toi bien, il faut que je me sauve. Ok, tout va bien. CJ? Hein? Regarde un peu ce que mon patron m'a donné. Wow. Non. C'est joli, ça. Ouais. Ton patron doit être un homme très bon. C'est pas tous les patrons qui apprécieront un bon geste comme celui-là. Non, pas mon patron. Mon patron est un homme plus que bon. En fait, je prie pour que Dieu continue à le bénir, lui et sa famille. Amen. Amen. Mais grande sœur, regarde. C'est un peu masculin. Ne crois-tu pas que je devrais la garder? Que je peux la prendre, non? Au moins, comme je suis un homme. Tu sais, tu vois quand je vais. Est-ce que je peux la voir? Est-ce que je peux la voir? Mais... Donne-moi la montre. Oui.
Merci. Je ne veux pas te voir rôder autour de cette montre. Est-ce que tu m'as entendu? Oh. En plus, c'est un cadeau. Hein? Les cadeaux ne sont pas faits pour être donnés. Tu devrais le savoir. Alors... Donc parce que je te l'ai demandé que tu en fais tout un tas d'histoires. En fait, tu es un potentiel suspect pour moi. Je dois garder ça ou tu ne pourras pas l'avoir. Quoi? Grande sœur, ne m'appelle pas. C'est la raison pour laquelle je t'ai appelée ici. Comme ça, CJ ne nous écoutera pas pendant que nous parlons. Grande sœur, je n'arrive pas à te croire. Comment as-tu pu penser à ça? Comment est-ce que tu as pu concocter ça? Ça, c'est de la méchanceté. Non, Amanda, ce n'est pas de la méchanceté. Ça s'appelle l'intelligence. Amanda, l'intelligence. J'ai pratiquement, absolument tout fait pour toi. De t'envoyer à l'école, à te trouver du boulot. Amanda, crois-tu que je ramasse l'argent en route? Tu le crois? Ceci est un moyen d'enfin dire au revoir à la débrouillardise. Amanda, si tu fais ça, ce sera un au revoir à la débrouillardise. Grande sœur, je ne peux pas faire ça. Je ne peux absolument pas faire ça. Je ne peux pas. Tu ne vas pas me désobéir. Ne me désobéis pas, Amanda. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai beaucoup souffert pour avoir tout ce que j'ai aujourd'hui. J'ai assez souffert pour vous. Je fais encore la même chose pour CJ. Laisse-moi te dire quelque chose. C'est pour cette raison que je t'ai trouvé un boulot là-bas en tant que secrétaire. Grande sœur. Grande sœur? Je n'arrive pas à le croire. Je n'arrive du tout pas à le croire. Amanda? Amanda? CJ? Est-ce que tu vas bien? T'es calme depuis que t'es rentrée. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais bien. Il n'y a rien. Amanda, je te connais très bien. T'es ma sœur. Parle-moi. Qui sait, je pourrais être utile. Ne t'en fais pas, c'est bon. C'est rien. Je vais bien. Cody, franchement? Comment peux-tu dire une chose pareille? Tu veux que je couche avec un autre homme, hors de mon mariage? Juste pour donner un enfant à mon mari? J'essayais juste de t'aider à sauver ton mariage. Comme ça, tu pourras regagner l'amour de ta belle-mère, c'est tout. Eh bien, cela serait en train de détruire mon mariage, et non le sauver! Merde, quel genre de personne es-tu, Goldie? Tu as oublié que je suis une chrétienne, et que je ne peux pas faire une chose pareille? Eh bien, je cherchais juste n'importe quel moyen pour pouvoir résoudre le problème, c'est tout. Et rien d'autre. Non. Mais non, merci. Je sais ce que j'ai vécu chez ce prophète où tu m'y as emmené. Maintenant ça, c'est juste incroyable. Mais comment étais-je censée savoir qu'il était comme ça? D'ailleurs, je me suis excusée, j'ai dit que j'étais désolée. Tu sais que je m'inquiète pour toi. Prochainement, ne m'apporte plus ce genre d'idées parce que j'aime pas ça. Ok, c'est compris. Je ne le ferai plus. Tu ferais mieux.
Tu vas bien? Est-ce que ça va? Mon amour. Je réfléchissais. Pourquoi n'irais-tu pas revoir Dr. Charles? Peut-être cette fois-ci, nous aurons quelque chose de positif. Mais bébé, tu n'as pas à t'inquiéter pour rien. Nous allons bien. Le mois dernier, nous lui avons rendu visite. Il nous a dit que nous allons très bien sur le plan médical pour avoir notre propre enfant. Plutôt ce mois, tu as insisté. Nous y sommes allés une fois de plus. Il a dit la même chose. Pourquoi n'ai-je pas donc d'enfant, dis-moi? Écoute, le temps de Dieu est le meilleur, mon amour. Le temps de Dieu est le meilleur. Nous devons juste espérer. Ok? Dieu donne les enfants et le nôtre viendra, sans doute. Regarde. Le plus important, c'est que je t'aime. Je ne cesserai jamais de t'aimer, peu importe la situation. Je ne baisserai jamais les bras sur toi. Tu es ma force. Tu es ma joie. Nous aurons notre propre enfant. Je te le promets. Sans doute, nous l'aurons. Ok? Espère juste. Ok, bien, je vais lui parler, ok? Ok, bien, tu n'as pas à t'inquiéter. D'accord, bye. Monsieur, les documents sont prêts. Amanda? Monsieur? Devrais-je dire que tu es ravissante? Merci. Je t'en prie. Ok, les documents. Amanda? Monsieur? Donc tu veux dire que tu es venue au travail habillée de cette façon? Oui, monsieur. Ok, s'il te plaît, ne t'habille plus de cette façon pour venir au travail. Ok. Tu es responsable, n'est-ce pas? D'accord, monsieur. Merci. Merci. Les documents sont prêts. Amanda? Oui? Oh mince! Tu es vraiment... belle et très sexy. Alors? Tu aimes ça? Tu peux l'avoir? C'est tout à toi. J'ai dit à Goldie que je ne pouvais pas faire ça. Je lui ai dit que je ne pouvais pas faire ça. Je ne ferai pas ça. Oh, maintenant, regardez. Tout est bizarre maintenant. Faire ça. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Je ne peux pas le faire. Tessie, comment tu vas? Je vais bien, je vais bien. Tu sais que tu me manques. Tu me manques grave.
bien sûr, je me soucie. Je me soucie vraiment de toi. Ok, ok, bien. Si c'était pas le cas, pourquoi je me dérangerais à t'appeler? Tessie, toi et l'argent. Toi et l'argent, tu crois que cet argent est facile à avoir? Ma chère, t'es au Nigeria, hein? C'est difficile partout. Mais t'inquiète pas, je serai de retour la semaine prochaine. Ouais, je reviens la semaine prochaine. Quand je serai là, on va se débrouiller. Ah, je te rappelle plus tard, je te rappelle. Ah, grande sœur, bienvenue. Monsieur, je suppose que tu es en train de parler avec tes nombreuses petites amies, n'est-ce pas? Serrette, je parlais pas à une petite amie, non. Je parlais avec Patrick, mon camarade. En fait, nous parlions comme ça d'un devoir. Mais j'avais presque fini avec l'appel avant que tu n'arrives. Ouais. Eh bien, j'espère que tu as bien vendu parce que tu sais que nous avons besoin d'argent. Grande sœur, depuis que t'es sortie d'ici, je n'ai pas vu un seul client. Un seul. Je n'ai pas vu. Personne n'a acheté quoi que ce soit. Je t'assure. Cependant, grande sœur, ça ne va pas. La famine. Monsieur Linus. Linus Ikpama. Tu as faim? Tu crois que je ne t'ai pas vu quand je venais et je sais que tu parlais à une fille. Tu n'es pas sérieux. Non, je t'assure que c'était pas une fille. C'est à mon camarade que je parlais et pas à une fille. Oh, dalele menouma. Oh, coucou. Oh, coucou, tamwa. Egwe boulou. Ebwe muta mwa o Ferrari ba. Alice. Alice ubwe so baka. Basuga kage me bife. Mama. Je suis venue te supplier. S'il y a quelque chose que j'ai fait de mal, s'il te plaît, pardonne-moi. S'il y a un moyen que je t'ai offensé, pardonne-moi. Pardonne-moi, je t'en prie. Maman, je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. Je vais donner des enfants à mon mari. Je vais aussi te donner de petits-fils, je t'en prie. Maman, pourquoi verses-tu ces larmes de crocodile? Moi, fais-moi. C'est quoi ton problème? Pourquoi aimes-tu faire de moi le portrait de la méchante? Tout le monde qui passerait par là penserait que je suis une mauvaise femme. Ok, maintenant, mets-toi à ma place. Supposons que Doubem est ton fils. Que ferais-tu? Doubem est mon unique enfant. Je n'ai pas dit unique fils, unique enfant. 5 ans de mariage. Et rien n'est sorti de là. Maintenant, en supposant que Dieu m'en préserve, quelque chose arrive à Doubem. Qui continuera avec sa lignée? Non, réponds-moi, qui le fera? Et alors, qui héritera de tout ce qu'il a passé, sa vie à accumuler? Toi? Oh, je vois. Voilà tes intentions. D'hériter tout ce que Doubem a, n'est-ce pas? Non, maman. Non. Maman, crois-moi, ça joue aussi dans mon intérêt pour amener la paix dans cette famille. Et comment ferais-tu cela? Comment? Si tu veux vraiment ramener la joie dans cette maison, alors permets-moi de trouver une autre femme à Doubem. Oui. Vu que ce n'est que ça qui peut ramener le bonheur ici. Maman, non. Je ne peux pas laisser mon mari. Nifugunyani, alors arrête de me déranger. Arrête de me déranger. Juste arrête de me déranger. Ok, tu sais quoi? Remplace-moi. Finis la boisson. Profite de la chaise. Profite de l'environnement. Maman. Maman. Hey! Quoi de neuf, frérot? Je vais bien, mec.
Je ne m'attendais pas à te voir. Ouais, j'étais dans ton quartier pour une inspection. Alors j'ai décidé de faire un tour et te saluer, histoire de voir. C'est attentif de ta part. Ouais, mec. Je devais le faire. Comment va ta famille? Oh, nous allons bien, mec. Ta secrétaire, Amanda, elle est vraiment différente aujourd'hui. J'étais vraiment curieux, donc j'ai dû lui demander. Et elle a dit qu'elle partait à un rendez-vous après le travail. Mec, ce gars est vraiment chanceux. Cette fille est vraiment dotée. Vraiment? Vraiment? C'est tout ce que tu as à dire. Allez, mec, que comptes-tu faire? La dernière fois que j'ai vérifié, tu es marié. Alors, sur ce point, s'il te plaît, retire tes yeux de ma secrétaire. Vraiment? Oh oui, vraiment. Genre, vraiment? Tu m'as bien entendu, frérot. Vraiment. CJ, assure-toi d'avoir exactement l'échantillon que je t'ai envoyé. Mon ami, je te parle et tu parles à une autre personne. Écoute-moi. Oui. Et assure-toi de prendre mon argent. Amaka. Amaka, tu es tellement pâle. Est-ce que tu pleurais? Gauthier. J'ai essayé de parler à maman plus tôt aujourd'hui. J'ai essayé de la supplier pour qu'elle me donne un peu de temps. Mais elle... Non. Tu dois arrêter de supplier cette femme et canaliser ton énergie dans la recherche d'une solution à tes problèmes. Gauthier, si tu parles de coucher avec d'autres hommes, je ne ferai pas cela. Gauthier, je suis une femme mariée et aucun autre homme ne verra ma nudité à part mon mari. Alors s'il te plaît, arrête. Je ne parlais pas de ça. Regarde, il y a cet homme de Dieu que j'ai découvert et dont j'entends parler. Gauthier, Gauthier, toi et tes histoires d'homme de Dieu. Les hommes de Dieu sont tous pareils. Devons-nous aller de façon traditionnelle? Un marabout peut-être, ça peut aller. Jamais de la vie. Gandhi, je suis une chrétienne. Je suis également une chrétienne. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Lorsque tu as ce genre de problème, tu dois vraiment chercher tous les moyens de pouvoir les régler. Dieu lui-même comprendra. Je te le dis. Non, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Oh mon Dieu, comment j'ai fait pour être amie avec toi? Parce que tu es tellement le contraire de moi. Ok. Je ne sais plus quoi d'autre te proposer, donc je vais fermer ma bouche. S'il te plaît, ferme-la. Ferme-la juste. Je vais pleurer et réfléchir sur quoi faire toute seule. Quoi? Seigneur, comment as-tu pu, grande sœur? Comment as-tu pensé à un truc pareil? Comment tu as pu être d'accord avec une telle idiotie? Amanda, ceci pourrait te ruiner, et tu le sais. CJ, grande sœur me fait du chantage émotionnel. Si c'est comme ça que je veux la remercier pour toutes les choses qu'elle a fait pour moi, pour toi et nous tous dans la famille. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire. Et elle voit ça comme une opportunité pour nous de bien vivre pour le restant de nos jours. Au détriment de ton bonheur. La femme de ton patron est censée être sa meilleure amie. Et ton patron est un homme bon. Il ne mérite pas cette trahison. Écoute, Amanda, tu dois arrêter ça maintenant. Dis juste à grande sœur
Tu ne peux pas le faire. Tu sais que je te soutiendrai toujours, s'il te plaît. Je te jure, cette famille va tellement te détester si tu fais ça. Je t'en prie, ne fais pas ça. S'il te plaît. Hey, maman! Maman! Maman, maman! Maman! Pourquoi tu déranges toute la concession? Hein? Qui a-t-il? Hein? Que se passe-t-il? On vient de m'appeler au village. On m'a dit que ma femme a accouché. Deux garçons. Hey, Chukudi. Oui, maman. Viens m'embrasser. Tu mérites un câlin. Es-tu sérieux? Je te dis, maman. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Amen. Chukudi, t'es qui tu m'as écou? Je te dis. Qu'est-ce que tu as eu? Deux garçons. Tchaï! Chukudi. Oui, madame. Et félicitations. Oh, j'espère que le bébé et la maman sont en santé. J'ai parlé à ma femme. Hein? Le bébé, elle se porte très bien. Ils sont forts, comme moi. Vous savez que pourquoi je suis fort, non? Pourquoi ne seront-ils pas en santé? Dis-moi, pourquoi ils ne le seront pas? Hein? Certaines personnes devraient aller avoir leurs enfants au lieu de rester là à poser des questions stupides. S'ils n'étaient pas en santé, seraient-ils là à sauter partout? Aïe, Chukudi, félicitations. Je te verrai plus d'accord, tard, madame. Ok? Dégage de mon chemin, s'il te plaît. Madame, ne vous fâchez pas, hein? Ne vous fâchez pas. On dit que le monde de Dieu est le meilleur, hein? Dieu vous donnera le vôtre. Dieu va même le mélanger pour vous, hein? Le noir et le blanc, hein? Garçon et fille, hein? Ne vous fâchez pas, s'il vous plaît. Je reviens. Ouh. Ah. Est-ce que nous sommes ensemble? Pas question, grande sœur. Je l'ai déjà dit, je ne ferai pas partie de ces plans. Assieds-toi. Assieds-toi, mon ami. Ne me menace pas. Ne me menace pas du tout. J'ai pensé tout ce que j'ai dit. Je ne ferai pas partie de ces plans maléfiques. Fous le camp. Si j'entends encore ta voix dans cette maison, je vais briser tes os. Espèce d'imbécile. Amanda. Grande sœur. Amanda, n'écoute pas cet idiot. Ne l'écoute pas du tout. Qu'est-ce qu'il sait? Laisse-moi te dire quelque chose. Dans cette famille, on fait tout ensemble et nous sommes dans ceci ensemble. En y réfléchissant, ce n'est pas une chose difficile à faire. Si tu as un enfant de Doubem, tu seras milliardaire. Et tout ce que Doubem possède t'appartiendra. Oui. Mais n'es-tu pas fatigué de prendre un taxi à l'autre pour aller où? Mais n'es-tu pas fatigué? Deuxièmement, la mère de Doubem louera le sol où tu te tiendras. Elle t'aimera pour toujours parce qu'un enfant est la seule chose dont elle a besoin. C'est tout. Amanda, je suis ta sœur et je ne peux pas te tromper. Tu mérites une meilleure vie. Nous méritons tous une meilleure vie. Pense-y. Mais... qu'en est-il de sa femme? Quelle femme? Sa femme? Cette femme stérile? Elle ne mérite rien. Elle n'a aucun enfant, donc elle ne mérite rien du tout. Pense-y. Maintenant, ceci est magnifique. Hey! Tourne-toi. Hey, Aman! Tu sais que tu es sexy, n'est-ce pas? Je sais. Laisse-moi te dire, si tu joues bien tes cartes, aucun homme ne pourra résister à ce corps. Le feu! J'adore. Ne te dérange pas pour cet imbécile. Laisse-moi te dire, lorsqu'on aura réussi, il n'aura pas le choix que d'être d'accord avec nous. Amanda. Oui. Va chercher le sac. Hey! Sexy.
Voilà ma puce. Maintenant, je suis très contente. Bientôt, je vais commencer à manger mon argent. J'aurai ma bagnole. Hey! Ils n'ont encore rien vu. Ok. Nous y voilà. Ne sois pas pressé, hein? Très bien. Ok. Joyeux anniversaire à nous, mon amour. Bébé. Je t'aime tellement. Et je t'aime encore plus. Je t'aime maintenant et pour toujours. Merci. Je t'en prie. Quand est-ce que tu as fait tout ça? Eh bien, je me suis réveillée depuis 5 heures. Tu sais, je peux tout faire pour te rendre heureuse. C'est notre jour. Hein? Viens. Viens t'asseoir. Ok. Tu sais que tu es une bénédiction pour moi. Passer des années formidables ensemble a été l'amour. L'amour pur. Merci de m'avoir aimé. Merci d'avoir été une femme aussi adorable. Joyeux anniversaire une fois de plus, mon amour. Joyeux anniversaire à toi, mon amour. Je peux l'ouvrir? Oui, vas-y. C'est qui? Ouvre ce portail, mon ami. Désolé. Tu as recommencé. Désolé. Désolé, madame. J'étais avec le patron. C'est à cause de ça. Je faisais quelque chose avec le patron. Quel patron? Le patron. Ah. Tu veux dire qu'il n'est pas allé au travail? Il n'est pas encore parti. Oui. Je me demande pourquoi. Je dois le découvrir. Hey, je me suis mis dans les ennuis. Qu'est-ce que vous célébriez tous les deux? Bonjour, maman. Sois la bienvenue, maman. Eh bien, ne me dis pas que j'ai oublié qu'aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. Oui, maman. Oui, maman. Qu'est-ce qu'il y a à célébrer? 5 ans de vide. Non, dis-moi ce que tu as produit dans cette famille pendant 5 bonnes années. Rien. Maman. Et tu oses me dire, oui, maman. Maman, s'il te plaît. Aujourd'hui est un jour heureux pour nous. Je t'en prie, ne le cache pas. C'est quoi ton problème? Tu ne peux pas t'asseoir et célébrer avec nous? Mon problème est qu'il n'y a rien à célébrer d'heureux aujourd'hui. Vraiment? Regarde ta femme. Hein? Tout ce qu'elle fait, c'est de manger. Et rien d'autre. Tout ce qu'elle fait, c'est de manger, et après s'en va le déféquer. Et après, c'est ses hanches qu'elle balance de gauche à droite. Mais il n'y a rien à prouver depuis 5 ans de mariage. Donc, avoir un postérieur est maintenant un crime? Bien sûr que c'est un crime quand le postérieur est vide. Eh bien, je l'aime comme ça. J'ai payé pour ça. Eh bien, tu ne savais pas que c'était vide quand tu as payé pour ça. Mon fils, laisse tomber ce postérieur. Maman, je croyais que tu rentrais de l'église. Donc, je ne dois pas dire la vérité parce que je rentre de l'église. Avec la Bible? C'est pour ça que je dis la vérité. Ameziyoku. Laisse tomber le postérieur. Ikiabakokwa, laisse tomber. Et cherche quelque chose de fructueux. Ne prête pas attention, chérie, ok? Tout ira bien, laisse tomber, ok? Thank you.
Salut, grande sœur. Bonjour. Il n'est pas venu au travail aujourd'hui. Il m'a appelé et a dit qu'aujourd'hui c'est son anniversaire et qu'il va passer du temps avec sa femme. Alors il ne viendra pas aujourd'hui. Oui. Ok, ok. D'accord, bye. Mon cher, mon fils, tu sais que tu as bon goût comme ton père. Ah ouais. Amaka est une fille merveilleuse. Elle est intelligente, rusée, bien élevée. Elle est belle, elle peut cuisiner. Et le plus important, elle est très bien éduquée. Merci, maman. C'est pour ça que je l'aime tellement. Elle embellit vraiment mon monde. Je sais, tu peux le redire encore. Hein? Quand vous faites toujours Tom and Jerry, Uchanya, Uchanya. Maman, laisse-moi profiter de ma femme. Ok, profite d'elle. Tu sais, parfois vous me rendez jalouse. Vraiment? Mais tu sais, la seule manière pour toi de compenser, c'est si tu commences à me sortir les enfants, tu me donnes même 12. Je ne fais rien, non? Maman, tu dois te calmer. Mes 12 est plus qu'une équipe de football. C'est bien, non? Dans ce cas, vous les aurez tous à vos côtés. Non, maman, 4. 4, c'est bon. Nous nous sommes promis que ça sera 4. Et c'est 4. 4. Pas 5. Non, c'est 4. D'accord. 4, c'est d'accord. Mais qu'il commence à venir. Commencez à me garder occupé. Bien sûr, c'est bien ce sûr. C'est ce que je cherche au. Bien sûr, bien sûr, mon fils. Bien sûr. Et tu sais, ta femme est belle. Avec son nez pointu. Et puis ta couleur. En fait, je peux déjà voir vos enfants. Quel mélange formidable. Quand je sortirai avec eux, je serai tellement heureuse. Tu me fais rougir là. Rougir. Hey, Makonanya, est-ce que c'est de ma faute si mon fils est mignon? Ne t'en fais pas, très bientôt, tu auras tes petits-enfants. J'ai sans doute. Tu sais que c'est tout ce que je demande. Non, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Est-ce que tu dois ruiner tout moment de bonheur pour nous dans cette maison? Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir la paix dans notre propre maison? Tu sais, parfois, quand tu parles, je me demande si tu as vraiment têté mon sein. Regarde-toi. Tu penses que tu es encore un enfant. Tes égos t'ont dépassé. Eux, ils parlent de famille pendant que tu parles de ma femme et moi. Est-ce que la stérilité de ta femme ne te dérange pas? Ma femme n'est pas stérile. Alors, laisse-la prouver le contraire. Nous attendons le temps de Dieu. Oh, s'il te plaît. Qu'elle prouve le contraire. Dieu, Dieu, Dieu. Est-ce que Dieu va descendre du ciel et l'enceinter? Hein? Écoute, vous ferez mieux de faire quelque chose. Maman! Tu as besoin d'un successeur. Maman! Papa! Autant que je t'aime et que je te respecte, ne daigne pas pendre ma simplicité pour de la lâcheté. Dieu est celui qui donne les enfants et il nous donnera notre propre enfant quand le moment viendra. S'il te plaît! Laisse-nous avoir la paix dans notre propre maison. S'il te plaît, laisse la paix régner dans cette maison. Je n'aime pas ce que tu fais. C'est la toute dernière fois. À chaque fois, les problèmes, à chaque fois, les soucis. Ma femme et moi ne pouvons pas avoir la paix dans notre propre maison. S'il te plaît, arrête de hurler. Fais attention à toi. Ah, ah. Est-ce qu'ils se rendent même compte de combien de fois j'ai offert des messes pour eux? Tout ça pour n'aboutir à rien. J'ai une idée de ce que cette jeune fille planifie. Mais je ne vais pas le permettre. Elle attend que mon fils meure. Puis elle prendra tous ses biens et s'enfuira avec un autre homme pour profiter de ses biens. Non, ça ne peut pas marcher. Amogo pakalachiluzo. Je ne laisserai jamais cela arriver. Ah ah! Non.
Si cette jeune dame pense qu'elle est une sorcière, alors elle ferait mieux de demander la reine des sorcières. Parce que je vais m'occuper d'elle. N'importe quoi. Bébé. Bébé. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je comprends comment tu te sens, ok? Arrête. Amanda? Monsieur? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Désolée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Désolée, monsieur. Je vous aidais juste à chercher les documents. C'est tu m'aidais à chercher mes documents ou alors t'es sans m'aider à repasser mes vêtements? Est-ce que tu es devenue folle? Je suis désolée, monsieur. Désolée. Écoute, n'essaye pas ça la prochaine fois. D'accord, monsieur. Désolée, monsieur. Mais dis donc. Amaka, je me demande pourquoi tu n'arrêtes pas de venir à moi à chaque fois que tu as un problème, alors que tu n'écoutes pas et ne mets pas en œuvre mes conseils. Goldie, je ne me vois pas faire ce que tu me demandes, je t'assure. Ok. Attends d'entendre qu'une fille est enceinte de ton mari. Alors tu comprendras de quoi je parle. Oh, je t'en prie. Doubem ne ferait pas une chose pareille. Il m'aime beaucoup. Pas du tout avec la pression qu'il reçoit de sa mère. Nous sommes tous des humains. Et la possibilité de chuter est primordiale chez chaque homme. Amaka, je sais que Doubem t'aime vraiment. Mais c'est un homme. Et il y a une limite à ce que tout homme peut supporter. Cody, tu me fais peur, oh. Ton destin est entre tes mains. Fais ce que tu dois faire pour sauver ton mariage. Ou une surprise pourrait se présenter un de ces quatre. Et ça pourrait être très bientôt. Grande sœur, pouvons-nous laisser tomber ça? Pouvons-nous juste arrêter ça? J'ai pratiquement fait tout ce que tu m'as demandé de faire, grande sœur. Mon patron est une pierre difficile à briser. Difficile à briser, en effet. Oui. Si ceci ne marche pas, nous passerons au plan B. Plan B? Oui, plan B. Oh. Laisse-moi te dire quelque chose. Nous ne nous reposerons pas jusqu'à ce que le succès soit acquis. Hein? Seigneur.
bébé. Bébé. Chérie. Tu vas bien? Je vais bien. Il n'y a rien que je ne peux pas résoudre. Bébé. Tu as été très froid toute la soirée. Bébé, ne t'en fais pas, je vais bien, ok? Retourne te coucher. Je ne fais que passer un moment calme. Je vais te rejoindre d'ici peu. Ok? Va te coucher. Tu es sûr? Bien sûr que je suis sûr. Je vais bien, bébé. Ok. Excuse-moi. Ce n'est pas censé être ma tasse de thé. S'il vous plaît, je suis désolée, monsieur. Pardonnez-moi. Amanda. Jésus-Christ. Je suis tellement désolée, monsieur. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Qu'est-ce que tu essayais de faire? Monter? S'il vous plaît. Je n'ai jamais voulu faire ça. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Jésus Je suis tellement Christ. Désolée. Je suis désolée. Désolée. C'est vraiment ridicule. Ce monde est incroyable. Donc, Goldie veut que tu tombes enceinte de moi à tout prix. Comme ça, je pourrais chasser ma femme et t'épouser. Et hériter mes biens. Quel monde méchant. À croire que ma femme lui a fait confiance avec sa vie. Je suis désolée, monsieur. Elle m'a menacée. Je suis désolée. Maintenant, écoute. Je suis vraiment, vraiment déçu. Va là-dedans et prends toutes tes affaires et quitte ce bureau tout de suite. Je suis désolée, monsieur. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Je suis désolée. Fous le camp. Fous le camp d'ici. Idiote. Fous le camp.